Voilà, ils sont partis pour cette cinquième course. Kaptinsky, le meilleur départ. Son extérieur, eh bien, Hot Rocket, elle va se rabattre en deuxième position. Abington s'amène à l'extérieur. Le cheval grillé, Albert Money, condamné complètement à l'extérieur. C'est Ashanti Gold qui va devoir prendre le commandement de la course. En deuxième position, Kaptinsky, suivant très très bien la corde. À son extérieur, Abington en quatrième position, Hot Rocket. Albert Money se trouve en cinquième position à trois longueurs du leader. Puis nous avons Beacon Flair à son extérieur, Master Mascus. Puis nous avons le cheval Bottom Dollar à son extérieur, Bobby Bear. Les chevaux ont commencé à entamer la descente. Plus que 1000 mètres environ à parcourir. Ashanti Gold toujours en tête avec Pierre Cornet en fancelle avec une longueur et demie d'avance devant Abington, se trouvant à l'extérieur de Kaptinsky. En quatrième position, nous avons Hot Rocket à son extérieur. Le favori, Johnny Giroudis sur Albert Money. Puis suivent dans l'ordre Master Mascus à son intérieur, Beacon Flair. Puis nous avons Bottom Dollar et Bobby Bear. Les chevaux n'ont plus que 500 mètres environ à parcourir. Et Abington s'amène à l'extérieur de Ashanti Gold, s'approche dangereusement Albert Money, mais toujours en tête de la course se trouve le gris. Ashanti Gold donc en tête de la course avec une longueur devant Abington en troisième position, bien calé à la corde, se trouvant Kaptinsky. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. Ashanti Gold essaie de repartir à l'extérieur, vient Kaptinsky et voilà que Albert Money vient à l'extérieur complètement sous la montre de Johnny Giroudis. Ashanti Gold toujours en tête à l'intérieur. Nous avons Hot Rocket, mais Albert Money gagne cette course devant Hot Rocket, troisième. Ashanti Gold, quatrième. Bottom Dollar qui avait une remontée superbe, trop fort. Albert Money, il est revenu.